Hey, salut les Pokéfans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la série japonaise de Épée et Bouclier Point de Fusion, donc EB08, qui sortira en France mi-novembre, je crois. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner afin de soutenir la chaîne. Et puis, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker. Et on démarre directement avec le nom, le logo et l'illustration des boosters. Donc comme vous pouvez le voir, le nom sera Fusion Art. Le logo, c'est toujours la même chose, hein, à peu près, avec le numéro de la série S8. Et les boosters, on a des magnifiques boosters avec un Mew Gigamax, Genesect, Fantirme et son évolution, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Pour ce qui est du contenu de la série, on a 100 cartes dans la série. Donc dans les 100 cartes, on comprend les communes, peu communes, rares, holographiques, les cartes V et VMAX, plus 15 cartes Full Art, dont 3 alternatives, plus 9 Rainbow, dont une alternative, et enfin 5 Gold, ce qui nous fait un total de 129 cartes, ce qui est quand même beaucoup plus que d'habitude, hein. Donc comme d'habitude, je ne vais pas parler pendant cette présentation, pour vous laisser découvrir et apprécier les cartes. Et on se retrouve juste après.
Et voilà, c'est tout pour cette présentation. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des cartes, et notamment de l'alternative de Mew VMAX secrète. Parce que personnellement, je la trouve pas géniale. Elle est jolie, mais voilà, c'est tout. Limite, autant avoir la VMAX, hein. La VMAX toute simple est très jolie aussi, je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je suis toujours content de lire des nouveaux commentaires. Et n'hésitez pas non plus à me donner votre avis sur la musique pour savoir si, bah, si vous l'aimez bien ou pas, même les musiques hein, du coup. Et puis pour savoir si je peux les réutiliser ou si vous n'aimez pas du tout et du coup ça ne sert à rien de les réutiliser. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça. Encore une fois, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!